Allez, salut YouTube! On se retrouve dans ce nouveau trailer de KOF 15, le 25e. Ça fait beaucoup, hein, finalement, tous les persos en trailer comme ça. Avec King of Dinosaurs, qui n'est autre que un alter ego de T-Zok, un personnage de Garou. Et ça fait plaisir de retrouver ce personnage-là. Ça fait plaisir de retrouver la plupart des personnages de Garou, finalement. Ils sont tous plus stylés les uns que les autres. Un super roster. Garou, Mark of the Wolves, bien entendu. Donc, King of Dinosaur, archétype plutôt chopper, personnage lourd, avec Dickinson qui vient de sortir. Ils font la paire. C'est parti. Dickinson sur Guilty Gear Strive, bien entendu. Dinosaur. Hurricane! Ah, ça casse toujours le plafond, ça! Paf! Ah, ce finish! Je pense que c'est un des meilleurs trailers qu'ils aient jamais fait. Très honnêtement. Ils écrivent plus Shattered Expansion. Ah, si, ils l'ont écrit, pardon. Donc, on va se le remettre. J'ai des trucs à dire. J'ai bossé mon King of Dinosaur hein, pour essayer de pas dire des bêtises. Parce que ces derniers temps, c'était des persos où je connaissais pas trop. Donc, j'arrivais pas bien à décrire. Mais là, j'ai bossé mon dinosaure, comme qui dirait. Donc, je vais pouvoir vous décrire un peu mieux les coups. Enfin, surtout les coups spéciaux. Déjà, niveau modélisation, il est plutôt cool. Il est pas... Il est bien. King of Dinosaurs. Oh, la posture et tout, c'est vraiment cool. Et la double balayette, très bien. Petit coup armor, comme ça. C'était le CD, ça c'est une shop normale, shop arrière. Il est stylé. Ça c'est EX Mexican Typhoon ou je sais plus quoi. Ça c'est son caravan kick en EX. Ça c'est nouveau non? Il avait pas ça avant. Donc là il a fait caravan punch, super. Il y a eu que ça. Super level 1. Fait bien mal, c'est un perso qui tape fort. Hein. La super level 2, mais le 2 demi-quart de cercle, 2 points, pardon. Paf. Il est imposant le perso, il est gros. Hein. Ah, la focus qui devrait vraiment profiter à ce genre de perso. Hein. Il a fait focus, caravan, punch. Super, ok. Il active le max mode. Il met le EX caravan, qui wallbones. Avec le caravan simple et la super. Paf. Et là, il met la Neomax, c'est ça? Ouais. Et ça fait l'OTG. Est-ce qu'il a perdu son car arrière? Ah, je sais pas. Le car arrière kick, qui fait OTG. Oh, c'est vraiment stylé, il est vraiment cool. Le perso, on va se le remater. On va se le remater normal, j'ai envie de le revoir. A votre avis, il est dans quelle team celui-là? Il était dans la team Mexique, lui, avec Ramon. Oui, mais c'est ça, il y a Ramon est sorti juste avant. Je suis bête de dire ça. Paf! Ah.
Il casse le plafond, paf. C'est une des meilleures super, c'était une des meilleures super de KOF 13 ça. Paf paf. Non, s'il est le magma à la fin et tout. C'est vraiment cool qu'ils ressortent ces persos parce que ces persos qui rappellent Garou et ça fait plaisir à tout le monde en fait. Et du coup voilà. Enfin moi je suis très content de voir ce perso. Il est très réussi. C'est bizarre à dire mais c'est un des plus réussis qu'ils aient sorti jusqu'ici. J'ai hâte de mettre les mains sur le jeu, j'ai hâte de voir du gameplay plus approfondi avec des gens qui savent jouer surtout, parce qu'on a déjà eu du gameplay, mais avec les devs qui appuient sur les boutons quoi. Donc j'ai hâte d'avoir du vrai gameplay, d'avoir le HUD, de savoir à quoi ça ressemble, les barres de vie, etc., les barres de super, les détails sur le gameplay, combien ça coûte, une focus, etc., enfin une focus, l'espèce de break armor, là je sais pas comment ils vont appeler ça. De savoir s'il y aura des guard breaks comme dans KOF 14. Si les Maxwood pourront faire du spécial tout spécial, je pense pas, mais peut-être que c'est possible, sait-on jamais. Parce que pour l'instant, le Maxwood, il sert à quoi? À réduire la consommation des barres? On sait pas trop. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à plus dans un prochain trailer. Je pense que la vidéo de demain, c'est un trailer aussi. Donc accrochez-vous. Des bisous.